Eh bien, Pujula a mis au point ce qu'on appelle le 3CEP Multiplus, qui est un système qui permet de connecter des chaudières gaz individuelles à un conduit collectif, en logement collectif donc, ces chaudières répondant à un certain nombre de préoccupations liées à l'évolution des matériels et en particulier à l'évolution de la réglementation dans le cadre des perspectives de la RT 2012. Comme le montre la maquette qui se trouve derrière nous, on va utiliser un conduit concentrique en inox 316 qui va résister donc au condensat pour connecter des chaudières individuelles en logement individuel. Donc ce développement a fait l'objet d'un chantier expérimental avec nos partenaires que sont GDF Suez, en l'occurrence la direction de la recherche qui se trouve à Saint-Denis. Et nous nous sommes aperçus assez vite, avec beaucoup de plaisir, que ce chantier expérimental donnait entière satisfaction. La base de réflexion au développement du 3CEP Multiplus, ça a été l'émergence des chaudières à condensation, dont les températures de fumée sont très froides. Nous avons développé depuis environ 5 ans une expérience forte en matière d'adaptation de nos conduits de fumée à ces nouvelles technologies, puisque les conduits doivent être étanches à la pression et à la condensation. Donc nous sommes partis de notre savoir-faire pour mettre à l'intérieur d'un grand conduit un conduit de taille inférieure et ainsi fabriquer un conduit concentrique étanche. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons réduit de 50% l'encombrement du conduit collectif, puisque le 3CE n'est pas une invention récente. Il y a environ 15 ans qu'il a été lancé sur le marché français, mais un des principaux freins à son développement était effectivement l'encombrement dans les gaines techniques. Comme le montre cette coupe, d'une gaine technique qui fait 530 par 530, en général 600-600 extérieur, eh bien on va pouvoir installer dans la gaine technique à la fois le conduit collectif qui va amener l'air comburant des chaudières et évacuer les fumées, installer une gaine de VMC collective, ainsi que le conduit d'eau usée et d'eau pluviale, ce qui est tout à fait exceptionnel et ce qui réellement séduit tant les maîtres d'ouvrage que les bureaux d'études.